J'ai adoré la fille qui dansait avec son cerceau. Ça m'a rappelé quand je faisais de la gymnastique. L'hypnotiseur, à ton avis, fait comment pour faire faire ce qu'il veut à sa victime? Je sais pas. Beaucoup de persuasion, j'imagine, et sûrement des années de boulot. De la persuasion, oui, bien sûr. Je serai dresseur de tigres quand je serai grand. Il était trop balèze avec son fouet. Les tigres lui obéissaient tout de suite, t'as vu? Ouais, ça m'a donné quelques idées pour votre éducation d'ailleurs. Oh, t'es bête. Les chats, c'est un peu comme les tigres, non? Oui, c'est la famille des félins. Comme toi et moi, de la même famille, mais pas pareil du tout. Moi, génial, et toi, débile. Il est pas débile, Grippy. Je vais le dresser comme un vrai tigre, tu vas voir. Le dressage de Grippy. Au pied. Je me demande où j'ai mis mon vieux DVD de gymnastique. Ces acrobates m'ont donné envie de me remettre en forme. Mais mon cœur, tu es magnifiquement en forme. Comme moi, du reste. Super. Tu veux dire une forme molle posée sur le canapé? Non merci, très peu pour moi. Allez, regarde, c'est cadeau. Ah, si t'en veux d'autres, va falloir m'obéir. Allez, saute. Il est pas hyper pressé de réagir, ton tigre. Patience et persévérance, tu connais. Allez, saute, Grippy. Ah ouais, il a attrapé le cookie, tranquille. Fastache, donne-moi un cookie. Hey, je te vois venir l'alien, mais cette fois c'est pas moi qui serai puni. Maman, viens voir ce que fait Nina. Oh Nina, tu as nettoyé le sol. Bravo, double part de pizza pour toi ce soir. Ah, super ton dressage de l'alien. Maintenant il bouge plus du tout. Grippy, je te fais un parcours, ok? À mon signal, tu vas bondir puis sauter jusque là. Double tournoiement frisé et une vrille en toupie et tu retombes sur une patte. Là, compris? Bravo, microbe. Tu l'as hypnotisé, quel magicien. J'y crois pas, tes trucs d'hypnose. Je t'ai dit, allez Grippy, debout fainéant. Si tu penses qu'avec ta petite voix tu vas le réveiller, faudrait y aller à fond à mon avis. Tom, arrête ça. Mais attends papa, tu vas voir. Ouais, je l'ai dressé, il a bondi jusqu'à la table. Merci mon chat. File dans ta chambre et recopie 20 fois. Je ne dois pas rendre mes parents sourds, même s'ils aimeraient bien ne plus entendre mes bêtises. Puisque t'es occupée, moi je vais essayer de l'hypnotiser, ok? Aucune chance, ma pauvre fille. Moi je sais comment le dresser. J'ai fini ma punition, je m'en occupe. J'ai hâte. Je ne vois rien, je n'entends rien, je suis zen. Tu vas voir le saut périlleux qu'il va faire. Waouh, bien joué, microbe. C'est bon, descends, Grippy. Je crois qu'il est bien là, hein, tranquille. Mais descends de là, crétin de chat. T'énerve pas, microbe. Fais comme si tout allait bien, il se lassera. Et puis, il y a des avantages. Ah oui, et quoi, par exemple? Bah, comme ça, tu te rends compte du poids qu'aurait ta tête si t'avais un cerveau. Grippy, tu m'obéis. Descends tout de suite. Et voilà, Grippy t'a dressé.
dresser. Bravo, Grippy, bon chacha. Ok, je vais essayer ton truc d'hyponose, là. Ah oui, mais si tu fais appel à mes services, ça se paye. 50% de ton argent de poche du mois. Quoi? Mais non. Je te laisse réfléchir. Je vais faire un tour dans le jardin. Fais gaffe quand même, parce qu'à un moment donné, Grippy va vouloir faire ses besoins. Oh non. Ok, ok. Oh, j'ai la pêche, c'est fou comme j'ai la pêche. Ne te fais pas mal, maman, on a encore un peu besoin de toi. Nina, c'est d'accord, je te donne la moitié de mon argent de poche. Ouh. Grippy, regarde mes yeux, écoute ma voix. Tu es en mon pouvoir magnétique. C'est pas gagné ton truc, on dirait. Voilà, je te contrôle. Lève-toi et descends tout de suite. Ouais, bravo l'alien. Et maintenant, écoute-moi bien. Tu vas aller voir ailleurs si j'y suis. Je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Et voilà, c'est une histoire de cortex connecté aux neurones. Mais ça, c'est pour ceux qui ont un cerveau, donc toi, bah non. C'est cool, c'est comme un super pouvoir. Tu dois pouvoir faire n'importe quoi à n'importe qui. Oh, t'arrêtes maintenant. Ah, t'as raison d'avoir peur, Microbe. Tu seras bientôt en mon pouvoir. Je vais exploser les records de punition. Non, t'as pas le droit de faire ça. À moins que... La moitié de l'argent de poche que je t'ai généreusement laissé tout à l'heure, je vais peut-être pouvoir la garder. Non, là tu rêves tout habillé, l'alien. D'ailleurs, ton hypnotisation n'est pas hyper efficace, on dirait. Ok, tu veux des preuves? Qu'est-ce que tu dirais si j'arrive à hypnotiser papa ou maman? C'est même pas vrai que tu peux. Si, mais il va falloir que je me concentre. Regarde par la porte-fenêtre du salon dans une minute. Un, deux, allez, plus haut, oh, maman, t'es drôlement fortiche. Tu veux essayer? Non, merci, je te regarde juste. Et maintenant, passons aux bras et aux épaules. D'abord, il faut s'échauffer. Ensuite, on fait des rotations des bras. Et puis on écarte les bras sur les côtés. Tu es en mon pouvoir. Prends ça dans tes dents, le troll. Alors, Micro, c'est qui la reine de l'hypnose? J'avoue. Mais va-t'en, je te dis. Hé, hey, mais pourquoi il t'obéit plus, Grippy? Parce qu'il me regarde pas, c'est tout. Mais ouais, bien sûr, il est trop fort, ça c'est mon chat. Suffit de pas te regarder, j'ai compris. C'est-à-dire? Bah, je regarde plus tes yeux, voilà. Comme là? Aucune chance, l'alien. Et puis ça me fera des vacances des yeux si j'ai plus à supporter ta tête. Ça sert à rien, je te regarde plus. Ouh, tu ne m'échapperas pas. Je veux que tu descendes l'escalier. Je vais prendre un bain. Pas de bêtises. C'est bon, lâche-moi, Grippy. J'ai plus de cookies. Oups. Oh, j'ai compris. Tout à l'heure, t'avais un cookie dans la main, c'est ça? Non, pourquoi? Vas-y, l'alien, resynoptise Grippy pour voir.
Impossible! Il s'est libéré de mon influence en faisant pipi. Ça déclenche une protection instantanée. Oh non, j'aurais pas dû te le dire. Oh ah, trop tard, l'alien. Tom, qu'est-ce que tu fais? Mais j'ai rien fait. Moi qui accusais Grippy de faire pipi dans les plantes vertes. Tu nettoieras sa litière pendant un mois. Et des guerpies, je veux plus te voir. Ah, microbe, si t'existais pas, je t'inventerais, tiens. Regarde-moi, Grippy, tu es en mon pouvoir. Plus jamais tu ne feras pipi dans ta litière. Plus jamais.